ce matin, je suis déjà auprès des poneys et des poulains. C'est assez pratique depuis qu'ils sont au foin, parce qu'ils sont beaucoup plus proches. Du coup, régulièrement, j'ai pas à faire tout le pré pour les trouver. Ça va, mon chouchou? Oh, mon petit Ras. Mano. Mon chouchou. Bah oui. Donc voilà, ce matin, j'ai rien de prévu avec eux. Je vais juste voilà, leur faire un petit bisou, leur donner leurs petits bonbons et puis voir si tout le monde va bien. Mais ça a l'air d'aller. Et puis ensuite, je balade les chiennes aux alentours. Et après, je vais aller m'occuper des poneys aux écuries. Donc voilà, c'est parti. J'ai fini de m'occuper un petit peu des poneys. Ce matin, c'était grosse sieste et certains étaient au foin. Voilà, je les ai pas trop embêtés. Je me suis juste posée avec eux un moment au pré et c'était très cool. Là, du coup, je balade les chiennes. Voilà, des fois, je change un petit peu l'ordre de ce que j'ai à faire dans la journée. Là, je sors les chiennes et puis après, on finira par s'occuper donc des écuries et des poneys qui sont aux écuries. Oui, il y a beaucoup de soleil. C'est terrible. Ah, je suis grave de bonne humeur aujourd'hui. Voilà, je vous le dis. Je sais pas, c'est peut-être le soleil, mais... Franchement, je suis là, je suis bien, là, je suis contente là, d'être en balade avec mes chiennes. Enfin bref, là, je suis bien. Il y a des poulains qui dorment couchés, c'est trop mignon. Oh, Laïka, elle vient de s'allonger vraiment. Oh là là, ils sont vraiment trop bien ici, franchement. Je suis tellement heureuse qu'ils soient là. Et mon Didi ? Didi, t'es toujours devant le bac, mais le bac, il est vide. Hein. Ça se voit que les poneys, ils sont un peu saoulés parce que... Oh, mais il y en a plein qui sont couchés, en fait. Oh non, mais c'est trop mignon. Bref, je disais, ça se voit que les poneys sont un petit peu saoulés parce qu'en fait, donc depuis qu'on leur a mis le foin, bah ils veulent aller boire dans ce bac qui est vide hein, la plupart du temps, à part quand il se remplit avec la pluie, mais sinon il est vide. En fait, ils ont tout un cours d'eau qui traverse le champ et les entrées... Oh non, mais il y a vraiment tout le monde qui se couche, c'est trop mignon. Les entrées, en fait, pour eux, pour aller boire, sont plus au fond du pré. Donc en fait, ils ont presque 4 hectares à traverser pour aller boire. Et on sent que Didi, bah il a pas envie de faire ses 4 hectares, il est en train de s'endormir vraiment devant le... Enfin, sur le bac à eau. Mais Didi, la pluie, elle va pas tomber aujourd'hui. Il va falloir que tu te déplaces pour boire, malheureusement. Franchement, ils sont trop choux. Je vais essayer d'aller prendre des petites vidéos d'eux sans les gêner, j'espère. Ils sont genre vraiment là, trop trop mignons. Là, voir 5 poulains couchés là, j'adore.
ça m'a juste donné envie de dormir, de les voir là faire leur sieste là. Oh, c'était trop mignon. Mais bon, la journée n'est pas finie pour moi puisqu'il faut encore que j'aille m'occuper des poneys aux écuries. Donc c'est parti, on y va! Voilà, je suis arrivée aux écuries. Ce que je vais faire en premier, j'ai récupéré la couverture d'Idyl. Je vais commencer par lui faire un petit pansage, passer donc ses membres à la douche et lui essayer la couverture, voir si elle lui va ou pas. Et puis j'ai Anakin à travailler. Bah là, il y a la DP de Gaara qui est là, donc qui est en train de le monter. Donc ça, c'est top. Comme ça, il a été travaillé aujourd'hui. Il y a la DP de Jenny qui vient aussi aujourd'hui, donc la poney va aussi être travaillée. Il y a que Antalya qui sera pas bossée aujourd'hui, mais demain sa DP vient aussi. Enfin bref, tous les choix sont un petit peu sortis, donc il y a que Anakin forcément qui n'a pas de DP et Idyl, mais bon, Idyl comme je vous l'avais dit n'est plus travaillable, donc bref, je vais sortir ces deux là, c'est parti. Ça y est, je lui ai mis sa nouvelle couverture, elle lui va super bien, je suis trop contente. Et au final, je vais pas lui faire les pieds, enfin je vais pas lui passer à la douche parce qu'ils sont tout secs. Donc en fait, j'ai réussi à passer un petit coup de brosse pour enlever un petit peu la terre sèche dessus. Et voilà, je suis contente là, comme il fait plus beau, il y a moins de boue et donc les pieds sont moins dans l'humidité. Donc ça c'est bien, un princesse. Là je vais la ramener au pré et je vais aller m'occuper d'Anakin. Allez. Par contre, elle a mal aux pieds sur les cailloux. Ma pauvre bichette, hein. C'est terrible, les chevaux qui sortent du box, vraiment, ouais. J'ai l'impression qu'ils ont tous 1000 problèmes au premier hiver. Et j'avais oublié, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un cheval qui avait vécu au box. J'avais oublié tous les problèmes que c'était. Mais bon. Et voilà. Allez, Zou, retourne voir tes copines. Mais oui. Oh, tu vas être mieux dans cette couverture là. Elle te va trop bien. J'ai encore pris une Fuganza. Je suis pas du tout sponsorisée. Ils ne m'envoient aucun produit. D'ailleurs, j'aimerais bien. Je trouve leur produit vraiment top. Enfin, vraiment. Et je lui ai pris une 50 grammes. Donc, c'est vraiment le plus petit grammage. Histoire que elle puisse la garder même quand il fait soleil comme ça. Et que ça puisse tenir un tout petit peu plus chaud quand il fait vraiment moche. Et tac. Et franchement, ça fait du bien un peu de soleil là. De voir les chevaux qui traînent plus dans la boue et tout. Ça fait du bien, franchement. Bon, j'ai décidé avec Anakin de travailler sur la longe. Généralement, ce que je fais avec les poneys, c'est que je leur fais une séance de longe par semaine. Une petite séance, hein, parce qu'il faut savoir que la longe, c'est pas terrible pour les articulations des chevaux. Donc je fais vraiment une petite longe avec des pauses et surtout avec des déportations de cercle, avec, je vais dans toute la carrière, en fait, moi, quand je longe. Donc bref, là, j'ai déjà un dispositif d'installer, c'est ce que je me suis servi la semaine dernière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... En fait, c'est un cercle. Là, il y a un cercle de dessiner et avec des portes. Je vais faire un autre cercle déporté pour en fait travailler sur justement le fait de changer de cercle à la longe. Donc voilà, je vais faire ça avec lui aujourd'hui. Du coup, faut que je calcule avec mes pas, donc c'est parti, je vais faire ça. Thank you.
Amigo. Ça va, Titi? Bon, Noon, t'arrêtes de causer. C'est bon, j'ai tout fini pour ce matin. Je dis ce matin, il est genre déjà bientôt 14h. J'ai fait un pansage à Edil. Hop, oui, je vais vous montrer ce que j'écris. Et Anakin, il a fait une longe. Voilà. Moi, j'écris en rouge et les DP écrivent en noir. Comme ça, on voit qui a fait quoi, quand est-ce que j'ai travaillé leur poney, etc. Donc voilà. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser là. Elles sont en folie, les chiennes. Tout est fait, donc les poneys sont bien nourris, j'ai travaillé Anakin, les chiennes sont sorties, je suis allée voir les poneys, bref, tout est fait. Donc c'est bon, plus qu'à fermer la sellerie. Et puis je vais pouvoir rentrer manger. Je vous dis à demain. Non mais vraiment. Je vous dis à demain. Gros bisous. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.